Rodney, Rodney, Rodney. Ça fait 3 mois qu'on te suit, qu'on sait tout de toi et t'arrives encore à nier les faits. Ben, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tu te calmes! Je comprends toujours pas en fait. Qu'est-ce que tu faisais le 7 juillet 1977 à 7h07 du matin? Ben, j'étais pas né. Et je peux savoir pourquoi t'étais pas né? Ok. Accusé, n'aimé, aucune réponse. Oh, toi, t'es dans la merde, toi! Mais. Ah, mais tu vas arrêter de mentir comme ça! Bon, c'est très simple. Tu vas me dire où est le corps, et il y aura pas de suite. Tu peux rejoindre une petite peine, mais si t'es réglo, pourra la réduire. Tant qu'il en a encore temps. Mais le corps de qui, Kate? Kate? T'as compris, pas? T'aimes pas? C'est trop marrant. Alors moi, j'ai eu cette passion pour l'humour à partir de mes 11 ans. Hein, bon, revenons-en aux moutons. C'est le corps de cette femme qui a cherché. Vanessa, 24 ans, ingénieure, prothésiste dentaire, hôtesse d'accueil dans des galas tuning à Beauvais. Retrouvée juste en bas de chez elle. Et comme par hasard, tout coïncide avec ta version des faits. Le dimanche 28, tu as bien été au French. Eh bien, le père de Vanessa avait un polo Lacoste. Lacoste qui est connu pour avoir comme logo un crocodile. Crocodile qui est un mot à 3 syllabes. Tout comme arrosoir, balançoire ou encore volonté. Volonté comme les légumes à volonté du... French. Pas que ça fait gros là? Mais si, ça fait gros là! Non! Allez, dis-le, ça fait gros hein! Non! Il a dit ça faisait gros! Bon, et ensuite? Vous avez que ça comme élément? Oh non! Une semaine avant qu'on découvre Vanessa, on t'a vu dans plusieurs endroits qu'elle fréquentait, notamment à ce match de foot.